Bonsoir et bienvenue à tous dans notre émission Sans Tabou, l'émission qui ne s'interdit rien. Dans cette émission, il y a une plateforme qui est dédiée à tous vos commentaires. Ne vous gênez pas, venez commenter, venez participer, envoyer des messages, des smileys, des stickers, participez parce que cette émission se veut interactive. Bien sûr, les participations se veulent dans la bienveillance et dans l'amour, dans un but éducatif, pas d'insultes, pas d'injures. Bienvenue, prenez place et asseyez-vous. Pour la reprise de cette émission sans tabou, on a décidé d'inviter quelqu'un qui nous a fait passer des bons moments dans nos anciennes émissions, qui n'est autre que Monsieur Oyo Nongema. Bonsoir, monsieur. Bonsoir à vous, bonsoir à toute l'équipe de 241. Désolé pour les désagréments, mais comme je le disais, je tiens à remercier toutes ces personnes qui travaillent dans l'ombre et qu'on ne voit jamais. Elles font un boulot formidable. J'ai dit une seconde chose, si vous me permettez, c'est toujours de vous remercier pour l'opportunité, pour le privilège que vous nous faites à nous inviter. C'est une perche que vous nous tendez pour exprimer nos idées, pour exprimer nos convictions. Et ça, je suis humblement reconnaissant. Merci à vous. C'est toujours un plaisir de vous recevoir et de recevoir vos analyses et vos sciences. Le sujet du jour, pardon, est un sujet assez épineux, mais un sujet d'actualité car il concerne l'homosexualité. Pas dans sa globalité. Aujourd'hui, nous allons parler, sinon débattre, de l'homosexualité dans nos us et coutumes. Avant de commencer et à nous plonger dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez vous présenter pour les personnes qui ne vous connaissent pas? Alors, pour les banales politesses, Wongema, c'est mon nom à l'état civil. Gabonais, c'est ma nationalité. Trentenaire évolue. Je viens d'une province, c'est la province du Welentem. J'exerce un métier que je considère comme le plus beau métier du monde, c'est celui d'enseignant. Et particulièrement, enseigner la philosophie, c'est passionnant parce que ça permet de dialoguer. Ça permet d'écouter, ça permet de se confronter aux idées et aux convictions et même parfois aux croyances des autres. Donc, pour moi, c'est toujours avec plaisir, avec passion que j'essaie d'échanger, que j'essaie de partager, que j'essaie d'argumenter. D'accord, c'est un plaisir pour nous. On se fera des oreilles assez fines pour pouvoir écouter et ne rien laisser passer de vos sciences. Quand vous entendez l'homosexualité dans nos us et coutumes, qu'est-ce que ça vous évoque? Alors, il est toujours bien de dire un certain nombre de choses, mais essayer de les dire en vérité, essayer de les dire sans passion, essayer de les dire modestement, mais de la manière la plus franche qui soit. La vérité, c'est que il faut commencer par déconstruire un certain nombre d'idées. Et quand je dis déconstruire un certain nombre d'idées, c'est qu'il y a des pratiques qui se font, qui ont cours dans nos sociétés, et on a tendance à confondre ces pratiques avec l'homosexualité. Moi, je vis dans un pays, c'est le Gabon, vous voyez, pour désigner les homosexuels, notamment les hommes, on dit les PD, alors que ça n'a complètement rien à voir avec ce que ça dit en réalité. Donc, il ne faut pas confondre la pédophilie à l'homosexualité. Mais mieux, il ne faut pas confondre un certain type de pratique qui a lieu, qui a cours dans nos sociétés avec l'homosexualité. Je vais au but, je sais que le sujet est sensible, mais Effectivement. j'ai aussi accepté votre invitation et d'en parler. Sans doute pour faire pédagogie, mais sans doute pour passer aussi le tabou, et le nom de l'émission l'indique bien, sans tabou. Effectivement. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut une promotion sociale, qui va se coucher et qui va accepter de se faire coucher, soit par une autre femme, soit par un autre homme, ce n'est pas de l'homosexualité,
c'est autre chose, c'est des pratiques occultistes, c'est du fétichisme, appelez ça comme vous voulez, c'est du satanisme pour ceux qui sont religieux, etc. L'homosexualité, c'est davantage le fait que deux personnes, davantage adultes, consentantes, aient de l'attirance sexuelle l'un envers l'autre et donc décident, entre guillemets, de vivre une vie amoureuse. Si on parle bien de ça et que je devrais répondre à votre question, je vous dirais que dans nos sociétés, dans la société que je connais sans doute mieux que les autres, c'est-à-dire la société gabonaise, je me suis amusé et j'ai recherché d'abord dans ma propre langue, mais également dans les langues des autres, et je n'ai pas trouvé un terme, je n'ai pas trouvé un mot qui correspond à cette pratique, qui correspond à cette manière, qui correspond à ce modèle. Donc, dans nos imaginaires, il n'y a pas en vérité de place pour l'homosexualité. Quand je dis nos imaginaires et nos sociétés, je parle bien là de nos sociétés traditionnelles. Je ne parle pas de la société actuelle, mais dans nos us et dans nos coutumes, rien ne laisse présager et rien n'indique que les gens aient ou soient capables, susceptibles de pratiquer l'homosexualité. Donc, ce que l'on entend par vous dire, c'est que l'homosexualité n'existe pas dans la tradition, dans la coutume africaine propre, mais du moins dans la société africaine gabonaise ancienne. Bon, elle n'existe pas. Là encore, il faut toujours faire l'effort de clarifier les mots. Vous voyez, si on parle de polygamie, la polygamie existe en tant que fait social, sociétal, dans nos cultures. Vous voyez, et il a une existence au sens où on le pratique, ou du moins on la pratique et on la reconnaît, la polygamie. Or, l'homosexualité, en tant qu'elle existe, elle est considérée, elle est perçue comme une déviance, mais une déviance grave. Donc, nous ne la reconnaissons pas dans nos sociétés, vous voyez, en tant qu'elle peut être une façon de vivre une relation amoureuse. Dans nos sociétés, ça n'existe pas, ce n'est pas reconnu, c'est même très, très, très mal vu. Et au contraire, je dois, à la vérité de le dire, on le considère comme une déviance, on considère cette pratique comme étant une pratique qui ne fait pas partie de la norme. Donc, elle appartient à D'accord, la d'accord. On entend normalité. bien que la pratique en soi existe, même si elle est prohibée par la culture africaine. C'est cela. Disons que les statistiques, ou du moins la généralité, et c'est ça malheureusement la science se fait d'abord sur les généralités. Il y a des exceptions, mais ces exceptions-là, elles ne permettent pas, et j'insiste là-dessus, elles ne permettent pas de valider ce fait qui est d'abord un fait social comme étant existant. Parce que on dit clairement que un comportement ou quelque chose existe dans une société lorsque dans cette société, cette chose est reconnue et est pratiquée. Mais quelque chose qui est perçu comme une déviance et donc que l'on fait l'effort de réprimer dans une société, on ne peut pas dire clairement qu'elle existe comme si c'était une pratique normale. Il y a sans doute des gens qui ont eu ces tendances. Il y a sans doute des gens qui ont essayé ces déviances, mais ces gens-là ne sont pas reconnus dans nos sociétés comme étant des personnes, entre guillemets, normales. Mais je précise, dans nos imaginaires et dans nos sociétés traditionnelles. Si on parle d'une société comme la société actuelle de la société gabonaise, vous voyez, là,
Il nous faudra rentrer dans un autre débat. Il nous faudra faire une autre analyse. Je tiens à calmer le jeu. Nous ne sommes pas encore sur le sujet de la société actuelle. Je pense que nous sommes dans l'introduction de notre sujet et j'ai l'impression que vous voulez éviter de répondre à la question positivement. Je me dis, d'après vous dire, si une pratique est interdite, c'est bien qu'elle existe. Si elle est considérée comme une abomination, c'est bien qu'il y a des personnes qui aient voulu pratiquer ces choses déviantes. Oui, c'est une déviance et c'est pourquoi, justement, du point de vue de l'imaginaire, du point de vue de la pratique sociale, je vais dire le mot comme il se doit, on la combat, on la réprime. Ça, je suis formel, il faut être formel là-dessus. Là, il n'y a pas de débat. Par contre, je crois que ce qui est le plus intéressant, vous voyez, c'est d'examiner un certain nombre d'analyses. Parce que, bon, la question, on peut la fouiller. Vous avez même un numéro, par exemple, du célébrissime journal que tout le monde connaît, donc je peux dire son nom, Jeune Afrique, qui a publié un numéro dessus et qui a fait un certain nombre d'analyses. Et dans ces analyses, on a, par exemple, une analyse du célèbre éditorialiste Georges Dougueli. Et Georges Dougueli, en fait, il faisait une analyse et dans cette analyse, il laissait entrevoir, il laissait sous-entendre le fait que, par exemple, l'emblématique guerrier Zoulou Chaka, vous voyez, aurait été homosexuel et qu'il y a un ensemble d'anthropologues, de sociologues, d'historiens qui penchent pour cette thèse. Donc, ça, par exemple, c'est un fait. Mais quand on a dit les choses comme ça, jusque-là, il faut être capable de les restituer. Et c'est pourquoi je dis, l'enjeu, c'est peut-être d'aller fouiller et d'aller voir. Parce que, bon, par exemple, dans la société zoulou sud-africaine, il y a une pratique, c'est la pratique du bonga qui, entre guillemets, dit-on, consistait à faire en sorte que les guerriers, dans un certain type de conditions, vous voyez, soient capables d'entretenir ce type de rapport, ce type de relation. Mais attention, et c'est pourquoi je veux préciser, est-ce que ce type de rapport, entre guillemets, exceptionnel ou ésotérique, ou des pratiques qui permettent de se renforcer pour devenir, entre guillemets, invulnérable et tout ça au combat, est-ce qu'on peut convenablement considérer que c'est de l'homosexualité? Vous voyez, moi, c'est la terminologie du concept qui m'intéresse en disant que l'homosexualité, c'est le fait qu'une femme avec une femme, un homme avec un homme, consentent à vivre leur vie amoureuse, leur vie de couple, pour le temps d'une vie ensemble. Or, si on décrit une pratique comme celle-là, c'est-à-dire le bonga que je viens de vous définir, qui avait cours dans les confréries de guerriers en Afrique du Sud, etc., même si, et moi je n'ai pas pu vérifier, c'est pourquoi je parle au conditionnel. Même à considérer que cela soit vrai, est-ce qu'on peut qualifier ce type de relation circonstanciée et particulière en moment de guerre, etc., etc., comme étant des pratiques homosexuelles ou comme étant de l'homosexualité? Pas du tout. Pas du tout. C'est pourquoi je dis, il faut peut-être aller dans nos traditions, mais je ne crois pas. Modestement, je ne crois pas que cela ait existé. Je vois, parce que vous avez une définition bien à vous de l'homosexualité, mais dans sa définition première, c'est juste avoir des relations intimes entre personnes de même sexe. Si on se base sur ça, la pratique que vous avez expliquée qui s'est passée en Afrique du Sud serait qualifiée d'homosexualité, les pratiques qui se sont passées en Ouganda.
avant l'arrivée de la colonisation pourraient être définies comme de l'homosexualité, les pratiques des pharaons égyptiens, qui consistaient à se faire toucher, laver un peu plus par des personnes de même sexe pourraient être qualifiées de l'homosexualité. Donc, je comprends que vous avez une définition à vous de l'homosexualité qui est vraiment très ciblée et très personnelle à vous. Ma question, vous avez dit dans vos propos que l'homosexualité comme relation amoureuse de personnes de même sexe qui vivent ensemble, qui échangent au-delà des rapports simplement physiques, étaient combattues, étaient prohibées. Elles étaient combattues de quelle manière et prohibées de quelle manière? Quelles étaient, par exemple, les sanctions qui étaient attribuées aux personnes qui étaient dites homosexuelles? Oui, mais si vous me permettez, je vous réponds par une anecdote. Alors que j'étais encore étudiant, un jour, je me suis amusé parce qu'il y a ma grand-mère qui était venue passer les vacances à la maison. Et donc là, je parle, et je lui demande, mais en fait, qu'est-ce que tu penses de l'homosexualité? Donc, et elle de me demander, mais en fait, qu'est-ce que tu appelles homosexualité? Et moi, de lui dire en langue, mais en fait, c'est le fait que deux femmes ou deux hommes accepte de vivre une vie maritale et avoir des rapports sexuels ensemble. Et là, vous voyez, elle s'est arrêtée, elle m'a regardé et elle m'a dit, j'entends ce que tu dis, mais je ne le comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi je vous raconte l'anecdote? Mais c'est pour permettre aux uns et aux autres de comprendre que, vous voyez, pour un Noir, pour un Africain, pour un Gabonais, pour un Bantou, ça ne fait même pas partie du logiciel d'entendement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas accepter le fait que deux hommes couchent ensemble. Après, je comprends toute la sensibilité qu'il y a derrière parce que on doit aussi parfois, et savoir raison garder et avoir le courage de mettre un certain nombre de choses sur la table. Vous voyez? J'ai envie de dire aux gens, par exemple, je prends les propos de quelqu'un qui était bien connu pour sa verve, de l'ancien président zimbabwéen, le feu président zimbabwéen, c'est-à-dire Robert Mugabe. Robert Mugabe, il avait résumé à peu près l'affaire, mais c'est un peu tout ce que les Africains pensent. En disant l'homosexualité, c'est une tare blanche et que les homosexuels, c'est pire que les porcs et les chiens. C'est pire que les porcs et les chiens parce que même les chiens ne font pas ça. Quand on dit ça, vous voyez, tout de suite, sous l'effet de l'émotion, etc., de l'irréflexion, on a envie de dire parfait, mais il a raison. Sauf que, et malheureusement, moi, c'est mon métier. Mon métier m'a habitué à aller au fond des questionnements. J'ai envie de poser la question aux gens, mais tous ces homosexuels que vous avez en Afrique, est-ce que ce sont les Blancs qui les ont faits? Est-ce qu'ils sont nés des Blancs? Non, ils ne sont pas nés des Blancs. Est-ce que dans leur biologie, ils ont les gènes des Blancs? Non, ils n'ont pas des gènes de Blancs. À ce moment, et c'est pourquoi je disais, si on veut bien mener le débat, il faut pouvoir sortir des stéréotypes, des préjugés et se dire que dans la société traditionnelle, et je vous ai parlé de ma grand-mère tout à l'heure en vous disant, elle ne conçoit même pas parce que dans son entendement, elle ne sait même pas ce que ça veut dire que deux hommes couchent ensemble ou que deux femmes couchent ensemble. Mais ça, c'est dans la société traditionnelle. Aujourd'hui, et c'est là peut-être qu'il faut amener le débat, c'est de se dire, tous ces homosexuels, est-ce que ce sont les Blancs qui les font? Non, ce ne sont pas les Blancs qui les font. Qu'est-ce qui fait problème? Vous voyez? Et à mon sens, pour moi, l'enjeu, il est là. Ce qui fait problème, c'est que... On va y arriver. Mais la question pardon, s'il vous plaît?
Je disais qu'on va y arriver à cette question de l'importance ou l'impact que la colonisation a eu sur la vision sur l'homosexualité en Afrique. On va arriver à ce point, mais avant d'arriver à ce point, la question était de Oui. savoir quelles étaient les sanctions qui étaient attribuées ou qui étaient destinées aux personnes homosexuelles avant l'arrivée de la colonisation. Mais je vous dis que dans toutes les sociétés africaines subsahariennes, enfin, d'essence bantoue, parce que les Gabonais sont dans leur majeure partie des Bantous, dans la structuration de la société bantoue précoloniale, telle que nous la connaissons, telle que les langues, telles que les imaginaires, telles que les mythologies nous permettent de la connaître, parce que ce qui fait également l'imaginaire, l'intelligence, la philosophie d'un peuple, c'est sa langue, ce sont ses imaginaires, ce sont ses mythes. Mais tous nos mythes, tous nos imaginaires et même notre langue ne parviennent pas à désigner cette pratique. La conclusion, même ne serait-ce que hypothétique, c'est de dire, mais en fait, ça n'a jamais existé et ça n'existe pas. Et je prends la peine, moi j'insiste là-dessus en disant, quand on dit que ça n'existe pas, ça ne veut pas dire que, et personne ne peut le dire avec assurance, que il n'y a jamais eu quelque part en Afrique deux femmes qui aient été soupçonnées ou qui aient été trouvées en train de coucher ensemble. C'est pas ça le débat en fait, parce que si on cale sur les exceptions en disant bon, c'est peut-être arrivé une fois, donc ça veut dire que c'est arrivé. On fausse le débat. On fausse le débat pourquoi? On fausse le débat parce que ce qui institue une pratique sociale, c'est le fait que la communauté la reconnaisse et donc veuille la perpétuer. Or, et moi j'insiste, même si il y a eu deux femmes qui ont couché ensemble, deux hommes qui ont couché ensemble dans les sociétés précoloniales, donc avant la colonisation, ça ne permet pas de valider l'hypothèse que l'homosexualité a existé. Au contraire, ça dit que les Africains, depuis toujours, ont toujours perçu, permettez-moi la tautologie, cette pratique comme étant une pratique déviante. Et donc, qu'ils ne l'acceptent pas. Ils ne l'acceptent pas. Mais pour moi, l'enjeu, ce n'est pas tant ils acceptent ou ils ne l'acceptent pas. Est-ce que vous comprenez? Parce que toutes les sociétés, elles sont structurées de telle sorte que certains comportements sont acceptés, d'autres ne le sont pas. J'ouvre une petite parenthèse. Moi, je raconte par exemple souvent à mes élèves que vous voyez une société comme la société grecque, le mot pédophilie, il n'a pas le sens que nous avons de lui aujourd'hui. Parce que dans cette société, justement, la pédophilie était considérée comme une norme. Effectivement, effectivement. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut toujours prendre le temps de remettre les choses dans leur contexte et là, à partir de là, on les discute mieux. Mais si on appelle et on conçoit pédophilie dans la société actuelle, vous voyez bien qu'elle n'a plus rien à voir avec ce qui se faisait dans la société de la Grèce antique. Aujourd'hui, c'est un délit, c'est le pire délit, et on ne l'accepte nulle part, aussi bien dans les sociétés occidentales que dans les sociétés africaines. Et je reviens au sujet en suivant, en disant que pour moi, l'enjeu, ce n'est pas l'existence au sens de l'exception. Ça, personne ne peut le dire avec assurance pour dire avant l'arrivée des colons, aucun Africain, aucune Africaine n'avait jamais eu une expérience homosexuelle. C'est pas ça le débat. Le débat, c'est en tant que pratique, en tant que manière de vivre, en tant que modalité d'existence sociale, est-ce que cette pratique, est-ce que ce fait, les sociétés africaines l'accepte. Non, les sociétés ne l'acceptent pas ou ne l'acceptent que très mal encore pour des raisons qui sont des raisons convictionnelles. Donc, on peut mettre la religion dedans, on peut mettre
la structuration sociale de la société dedans, on peut mettre, comme je vous disais tout à l'heure, la question des imaginaires, c'est-à-dire que nos imaginaires n'intègrent pas le fait que deux hommes puissent vivre ensemble et couler amour douce. Amour doux. De quoi on va déboucher où vous nous avez emmené déjà? Quel est l'impact de la colonisation sur la vision de l'homosexualité en Afrique? Alors, là, il faut prendre là aussi le temps de toujours essayer de dire bien les choses pour que les gens se fassent une opinion plus ou moins objective. Je disais que le problème, c'est que tout de suite, on ne peut pas seulement combattre. Vous voyez, on combat les terroristes, ça n'arrête pas les terroristes. On combat les chanvreux, c'est pas parce qu'on envoie les chanvreux en prison qu'il n'y a plus de gens qui fument le chanvre dehors. On combat les vendeurs de stupéfiants, c'est pas pour autant qu'il n'y a plus de gens qui vendent les stupéfiants dehors. Donc, la condamnation qui consiste, la condamnation, je ne sais pas si vous êtes toujours là, mais je continue quand même ma réflexion pour les téléspectateurs. La condamnation qui consiste à faire en sorte qu'on dise, bon, les homosexuels, il faut les lyncher, les homosexuels, il faut les tuer, ça ne règle pas le problème. Ça ne règle pas le problème. Pourquoi? Ça ne règle pas le problème parce que on ne fait pas une réflexion systémique et on ne fait pas une réflexion complexe de la question. À mon sens, le premier problème, c'est que nous devons, et je crois que c'est l'effort que nous devons faire collectivement, nous devons repenser la qualité de nos sociétés. Et repenser la qualité de nos sociétés, c'est considérer que on ne peut pas continuer avec ces modèles étatiques, avec ces modèles de gouvernance qui nous ont été importés. Pour une raison simple, c'est que si on dit que nous sommes, nous, au Gabon, nous sommes en République, nous sommes un État démocratique, nous sommes un État de droit, nous sommes un État qui a ratifié tous les traités sur le respect des droits de l'homme, vous voyez, malheureusement, la perversion derrière, c'est que à un moment donné, on devra mettre sur la table la question des minorités. On devra mettre sur la table ce genre de débat parce que on nous dira, mais vous avez signé un ensemble de traités qui vous oblige à respecter les droits de l'homme, les droits de la minorité. Et donc, les homosexuels pourraient nous dire, ben en fait, nous, c'est notre choix de vie, on est libre de disposer de son corps, etc. On est en démocratie, on est en république. Vous voyez? Et ça, c'est la réponse pertinente. La légalisation de l'homosexualité au Gabon, je crois. Pardon? Je crois que c'est par rapport à ces textes de loi qu'on a dépénalisé l'homosexualité au Gabon. Bon. Encore que ça, c'était sous l'ancien régime, mais vous voyez que là, on est en temps de transition et que on n'a pas une constitution définitive. C'est pourquoi, sur la question, je ne veux pas me prononcer, mais j'essaie de formaliser le schéma général en disant, dès lors que vous acceptez de continuer, de constituer vos États en État démocratique, républicain, et que vous ratifiez un ensemble de droits qui vous oblige à protéger les droits humains, vous voyez, un moment, au lieu de continuer d'embâtir les gens, de les lyncher, de les mépriser, de les insulter, vous devrez mettre le problème sur la table. C'est pourquoi je dis, nous avons un problème qui est un problème structurel, c'est que, vous voyez, les autres, ils ont fait simple. État islamique, des républiques islamiques, les républiques catholiques, les républiques laïques, etc. Mais nous, le problème, c'est que si on veut couper court à ce genre de débat, c'est de dire, nous avons, par exemple, une république witiste.
Nous avons par exemple une république jobiste. Nous avons par exemple une république, je ne sais pas moi, qui prend base sur le vaudou. Et comme les valeurs du vaudou, comme les valeurs du witi, comme les valeurs du ndobi, comme les valeurs de Melan ne reconnaissent pas ces pratiques, est-ce que vous voyez? À ce moment, on coupe court. C'est pourquoi je dis, la réponse facile, c'est toujours de jeter à la vindicte populaire ces gens-là. Malheureusement, et c'est ce que je dis, mais ce sont nos enfants, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. Donc, à un moment donné, il faudra avoir le courage de mettre le débat sur la table. Et mettre le débat sur la table, c'est de dire que nous, dans nos us et coutumes, il y avait un ensemble de pratiques qui étaient faites de sorte que on règle énergétiquement ces gens. Et donc, là aussi, vous voyez, c'est toujours l'opportunité de dire, nous avons, nous, un malheur, c'est que nous n'avons pas suffisamment pris en compte dans nos façons de nous gouverner, dans nos façons de gouverner nos sociétés, nos savoirs endogènes. Nous n'avons pas suffisamment pris en compte nos médecines endogènes. Nous n'avons pas suffisamment pris en compte nos valeurs endogènes. Et que si on veut aller plus loin, il faut peut-être regarder de ce côté, mais ne pas continuer à dire « Oui, nous sommes une république démocratique. Oui, nous respectons les droits de l'homme, mais l'homosexualité, nous ne l'acceptons pas. » Vous voyez bien que ça fait deux poids, deux mesures. À un moment, il faut trancher la question et se dire « Soit nous sommes une république wittiste et donc nous fonctionnons à partir des valeurs wittistes. Nous sommes une république de Njobi. Nous fonctionnons à partir de là, ou bien nous sommes une société démocratique, et dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait des homosexuels? Qu'est-ce qu'on fait des minorités sexuelles? Et là, je dis, la modeste personne que je suis n'a pas de solution, c'est une solution collective, c'est une intelligence collective, parce que la société, elle se construit collectivement. Effectivement, et on ne peut nier le fait que dans la société, les homosexuels existent. Au Gabon, il y en a énormément. Vous avez parlé des solutions énergétiques. Qu'est-ce que vous entendez par solution énergétique? Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que dans nos sociétés, il y a toujours eu des hommes ou des femmes émasculés, des hommes efféminés. Et que nos ancêtres, dans leur savoir, nos ancêtres, dans leur médecine, nos ancêtres, dans leur pratique, ont toujours fait un ensemble de choses, ont toujours pratiqué un ensemble de médecines, un ensemble de rituels pour réajuster, comme on pourrait le dire, ces personnes. Pourquoi? Parce que là aussi, il faut bien voir ce qui fait problème. Ce qui fait problème, c'est que dans les sociétés dites démocratiques, la valeur suprême absolue, c'est celle de la liberté. Or, la liberté, elle suppose la capacité à disposer de son corps, de son esprit, comme on veut, comme on l'entend. Est-ce que vous comprenez? Or, nous, dans nos sociétés, et c'est ça le plus important, c'est que quand il y avait une déviance, ce n'est pas l'individu seul qui était mis en cause. C'est toute la communauté qui se remettait en cause parce que la communauté était garante des individus et on se disait, mais je dis une formule que vous connaissez bien au Gabon, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché pour que cet enfant, cette fille devienne comme ça? Vous voyez? Donc, le problème, il ne s'agit pas de lyncher les individus. Il s'agit de se dire structurellement qu'est-ce qui n'a pas marché. Ce qui n'a pas marché, c'est que beaucoup de gens sont aujourd'hui déracinés. Ce qui n'a pas marché, c'est que nous avons des sociétés qui ne prennent pas en compte nos pratiques parce que, croyez-moi, dans certains de nos rites, ce sont des ajustements qui se font parce que ces envies, parce que ces manières d'être, on peut les ajuster. Et croyez-moi,
essayer d'investiguer là-dessus, essayer de vous informer. Il y a chez nous beaucoup de gens qui pratiquent encore ces choses, sauf que ces personnes ne sont pas prises en compte, sauf que les gens ne s'orientent pas à cette médecine, à ces savoirs, sauf que notre société, collectivement, ne se remet pas en cause, elle se contente individuellement, vous voyez, de jeter les gens à la vindicte populaire. Mais ça ne va pas régler et ça ne règle pas souvent les problèmes. Est-ce que finalement, ce ne sont pas les mêmes pratiques que vous étiez en train de décrire au début, qui vous avez appelé parfois sataniste, parce que au Gabon, il y a des faits qui se passent. Il y a certaines personnes, pour avoir des promotions, sont obligées d'avoir des rapports avec des personnes de même sexe. Est-ce que ça ne rentre pas dans le même contexte, dans les mêmes pratiques? Même si ce n'est qu'à titre exceptionnel, est-ce que ce n'est pas toujours des pratiques homosexuelles à la fois? Est-ce que vous pouvez reprendre votre question, s'il vous plaît? Je n'ai pas bien entendu, notamment vers la fin. Je demandais, vous étiez en train de parler des solutions qui seraient de se retourner vers la culture, vers nos traditions. N'est-ce pas? Et au début de Oui. notre conversation, vous avez parlé aussi de certaines pratiques qui étaient faites, notamment pour avoir des promotions, par exemple, qui consistaient à avoir des rapports, même si ce n'est qu'à titre exceptionnel, néanmoins, ça restait des rapports homosexuels. Est-ce que c'est pas le même titre, est-ce que c'est pas la même catégorie de traitement d'ajustement énergétique? Bon, non, la question n'est pas la question des catégories, en fait. La question, elle est beaucoup plus complexe que ça. La question, elle est beaucoup plus profonde que ça. C'est-à-dire que quand on aborde un sujet comme celui de l'homosexualité, on doit savoir qu'aujourd'hui, l'homosexualité, c'est un enjeu qui n'est pas seulement un enjeu de la petite société gabonaise que nous sommes, vous voyez, c'est un enjeu planétaire. Et que souvent, le plus facile, c'est de suivre la logique de tout le monde. La logique que, et n'ayons pas peur de le dire, que les grands lobbies, que les grandes sociétés qui font la promotion de ces pratiques veulent nous imposer. Or, régler ce problème, c'est aller au fond des choses et se dire, nous, peuple gabonais, en tant que société, qu'est-ce qui s'est fait dans nos sociétés? Il faut faire un état de lieu. Est-ce que, même si, par exemple, la pratique du bonga que je vous ai citée chez les Zoulous, est-ce qu'elle a eu cours au Gabon? Ça, je n'en sais pas grand-chose. Je ne me suis pas épanché sur la question. Mais même si elle avait lieu, est-ce que ça donne lieu à la légitimation de l'homosexualité? Non. Maintenant, est-ce qu'il y a des homosexuels au Gabon? Oui. Est-ce qu'il y a des homosexuels partout en Afrique? Oui. Qu'est-ce qu'on en fait? Pour moi, c'est ça l'enjeu. L'enjeu, ce n'est pas de prendre les solutions faciles. L'enjeu, c'est d'avoir une réflexion collective sur ce que nous sommes. Parce que, bon, est-ce que tout le monde est encore guerrier aujourd'hui comme Shaka Zulu? Même à considérer que Shaka Zulu avait des relations avec ses lieutenants, etc. Est-ce que tout le monde est encore guerrier? Est-ce que les homosexuels que nous avons dans nos quartiers, dans nos écoles, dans nos universités, dans nos administrations sont encore des Shaka Zulu? Non. Maintenant, est-ce que nous considérons ça comme une déviance? Oui. Est-ce que nous pouvons régler le problème de cette déviance? Oui. Comment? Allons-y voir ce que proposent nos traditions. Allons-y voir ce que proposent nos médecines traditionnelles. Et pour moi, on ne peut le faire que si collectivement, nos États, nos sociétés assument le fait qu'à un moment donné, on va donner de la place. Et on va donner toute leur place à ces médecines pour essayer de régler le problème homosexuel. Sinon, pour moi, ça va être un débat qui n'en finira pas. C'est un peu comme la question des drogués,
des terroristes, c'est-à-dire que vous en tuez un, mais 10 000 naissent derrière. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas parce que vous condamnez, ce n'est pas parce que vous humiliez, ce n'est pas parce que vous envoyez un homosexuel en prison que ça règle le problème de l'homosexualité. Effectivement, je pense qu'on ne pourra pas faire mieux que votre résumé de toute notre conversation. Avant que je ne se quitte, je tiens quand même, à titre personnel, vous poser une question qui me taraude l'esprit depuis. Si l'un de vos enfants venait à vous dire, à vous qu'il était homosexuel, je ne parle pas d'homosexuel dans le sens de juste avoir eu des rapports sexuels, mais être amoureux de quelqu'un qui a le Oui. même sexe que lui ou qu'elle, quelle serait votre réaction? Est-ce que vous avez entendu ma question? Bon, alors, je comprends à peu près votre question. Même si ça s'est entrecoupé un tout petit peu vers la fin, la conviction de l'homme que je suis, et je l'assume, je ne suis pas souvent dans le jugement hâtif, je ne suis pas dans le jugement rapide. Si j'ai un enfant, qui me dit, écoute, papa, moi, j'ai choisi l'homosexualité. Je lui dirai mon désaccord. Ça, vous pouvez me croire. Je lui dirai mon désaccord. Je lui expliquerai mon désaccord. Et ensuite, lui et moi, on s'expliquera. Si il considère que pour lui, c'est un choix de vie, je lui permettrai d'assumer son choix de vie. Mais mes convictions et mon point de vue, ils sont liés au fait que dans la vie de l'homme que je suis, je me considère d'abord comme un enfant du Gabon. Je me considère comme un animiste résolu et que dans l'animisme, en fait, ce que nous avons comme conviction, c'est la conviction que la vie est au-dessus de tout et que la vie, elle doit être perpétuée. Or, quelqu'un qui fait le choix de l'homosexualité, de mon point de vue, il fait le choix de court-circuiter la vie. Et une conviction, parce que pour moi, elle a des raisons. Vie, elle a des codes et ce nos petits, pas nos petites qui devraient au contraire vont avoir de nous incliner de la vie. Bon, on vous a entendu passablement. Je ne sais pas si les internautes aussi ont entendu comme moi, mais je pense que on a un peu saisi l'idée générale de votre réponse. Merci pour votre honnêteté, merci pour votre dévotion, merci pour vos explications et votre caractère Allô, pédagogique vous êtes... dans chacune de vos réponses. Si vous aviez un mot pour la fin, je pense que je vais vous laisser la parole et puis essayer de résumer au mieux ce qu'on a pu partager sur l'homosexualité et nos us et coutumes tout au long de cette soirée.
que vous m'entendez? Oui, on vous entend, mais vraiment passablement. Charles-Ric, bonsoir et bienvenue à Sans Tabou. Je pense que là, on ne vous entend carrément plus. Monsieur Oyonangima, est-ce que vous nous entendez? Apparemment, notre invité ne nous entend pas. Merci à toutes les personnes qui ont envoyé Alors, des messages je et qui ont débute commandé cette mon émission. émission comme je l'ai comme l'équipe 241. La deuxième chose. On ne vous entend carrément pas. On ne vous entend carrément plus. Mais bon, je pense que l'essentiel de la conversation, l'essentiel du débat a été dit. Donc, si je résume ce que vous nous avez partagé, c'est que l'homosexualité comme pratique amoureuse et relation d'intégration dans la société africaine n'existe pas, même s'il y a plusieurs discours. Pardon? Heureusement, je ne vous entends pas et je pense que nos auditeurs aussi ne vous entendent pas. Mbolo Amouchi, merci d'être là pour notre émission Sans Tabou. Aujourd'hui, on a discuté concernant la question de l'homosexualité dans nos us et coutumes. En conclusion, l'homosexualité. Je vais essayer de résumer au mieux les propos de Monsieur Oyonangema. Allez. L'homosexualité comme relation amoureuse, comme structure familiale, n'existe pas dans nos cultures, dans notre entendement, dans notre imaginaire, dans l'Afrique précoloniale. Et la solution pour pouvoir gérer l'homosexualité et assumer en partie la réalité qui est déjà que les homosexuels existent serait de retourner vers les solutions qu'appliquaient nos ancêtres et gérer de manière énergétique la présence homosexuelle dans les corps et dans les individus qui partagent la société gabonaise aujourd'hui. Sur ce, je tiens à vous dire tous merci d'avoir assisté à notre émission. Merci énormément à notre invité, Monsieur Oyonangema. C'est toujours un plaisir de partager ces moments avec vous, surtout que vos réactions et vos réponses sont souvent très, très pédagogiques et je pense que ça aide pas mal de personnes. Merci à toutes les personnes qui nous aident à réaliser ces événements. Merci à tous les membres de la régie. Merci à l'équipe d'Info 241. On se dit à vendredi prochain. Passez une bonne soirée.